Bonjour à tous, c'est Isnor. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la vidéo d'ouverture des 50 boosters Sticker Pokémon Série 1. Et voilà, j'espère que ça vous a plu les deux précédentes. Nous allons continuer. J'espère avoir autant de chance que dans la deuxième vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu la deuxième vidéo, je vous invite à aller la voir parce que nous avons pioché deux stickers un peu spéciaux. Et j'espère qu'on en aura dans cette vidéo aussi. Donc du coup, on va commencer avec le stick. Avec les stickers, hein, forcément. Donc là, l'holographique, c'est Ondine. Oh, elle est trop belle, Ondine. Voilà. J'aime bien. Ondine, c'est un de mes personnages préférés dans Pokémon. J'aime pas les autres filles qui accompagnent Sacha. Je les trouve moins bien. Donc là, on a Nosferalto. On a un Fantominus. Donc ça, c'est des cartes que nous avons déjà vues dans les précédentes ouvertures. Mais je vous les remontre quand même vite fait. Donc là, à mon avis, on n'aura que du double. Bon, on a au moins eu une holographique non double. Donc là, on a un Herbizarre, un Miaouz, un Neuneuf, un petit Papillusion, un Tarta et un Rhino Féroce. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est toujours la même chose. Nous avons un Smogo en holographique que nous avons déjà pioché dans l'épisode précédent. Ah, mais là on a Pikachu, on n'avait pas eu Pikachu encore. Il est trop mignon. J'adorais le design de Pikachu un peu fat comme ça. Parce que j'aime pas trop le nouveau design où il a la tête vraiment ronde. C'est un peu dommage. Oh bah, Gravalanche, nous ne l'avons pas eu non plus pour l'instant. Le Electek qui nous manquait aussi. Oh bah, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de double. Il n'y a pas de double dans celle-là. Mélofée, parce que nous n'avons pas eu. Dodrio. L'évolution de foot, donc Voltali. Raphésia, Onyx, oh, on finit avec un magnifique Elector, c'est prestige. Hop, il est tellement prestige qu'on va le mettre là. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir dans ce booster? Ah, on va avoir un Pidgeot en holographique, donc. C'est un Roucool et on a l'image d'un. Avec logique impardonnable, pourquoi pas? Oh, cool! Ammonistar, qu'on n'avait pas pioché encore. Oh, Grotanemorph, qu'on n'avait pas pioché non plus. Rondoudou, eh ben c'est cool. On arrive à piocher des cartes qu'on n'avait pas eu au début. Donc, ça, c'est vraiment cool. Oh, Dracolos, j'adore ce Pokémon. Bah, coucou à toi, Dracolos 76. Tu passes par là, je fais un petit coucou. Un Krabos, un Ariomite. Un Smogo que nous avons déjà eu, un Arcana et un Tortank. Il y a quand même pas mal de doubles. J'espère vraiment réussir à finir. Donc là, on a Miaouz avec la Team Rocket. Donc c'est une holo que nous avons déjà pioché. Donc Nidoran, Magneton, un Métamorphe. Bon, ce qui est dommage, c'est que voilà, on a encore du double et encore du double. Donc le retour de Miaouz, de toute façon c'est toujours les mêmes en double, hein. Miaouz, machin, bidule et chouette. C'est le jeu, hein. On ne peut pas avoir que des cartes, on ne peut pas toutes avoir les cartes d'un coup, hein. Ça serait trop bien. Et là nous avons une holographique de Raichu. Ah, fait plaisir, on n'en avait pas pioché celle-là. Un Mewtwo, donc on a déjà eu, mais ça fait quand même plaisir de le revoir. Un Voltorb. Nous avons aussi le Topicœur. Et là, c'est. Bon, après, c'est encore que du double, je pense. Ah, pas sûr, en fait. Donc, Smogogo, Tita et machin, et Chenipan. Par contre, Staré, on n'avait pas pioché. Boostiflore, on n'avait pas pioché. Et Ratatak non plus. Non, c'est cool. Mais mine de rien, la collection se complète, elle se complète. Donc là, c'est encore Miaouz. Alors, c'est une holo. Oh, la classe. Et il est beau comme ça, Miaouz. Et vous l'avez pas, du coup, cette holo, c'est cool. Une holo en plus. Un Raichu. Un Golem. Une carte qu'on a déjà pioché dans les précédents épisodes. Magmar. Donc, pareil. Donc, c'est quand même dommage d'avoir autant de doubles. Mais ça fera plaisir aux amis qui ont besoin de ça. Donc, Melodelph. Otaria, Pyroli, Paras. J'ai appelé Chenipan, je sais pas pourquoi. Soporifique. Et on finit avec Sulfura. Ouais.
Bon, on a déjà pioché tout ça. On va pas se laisser abattre. On a eu une jolie holo. Et là, du coup, on a un. On a quoi en nouveau graphique? Oh, trop mignon! Sacha avec son Pikachu quand ton Pikachu est malade. Ah, bah cool, une holo qu'on n'avait pas chopé. Un rapace de pique qu'on a déjà eu. Tentacool, pareil. De toute façon, dès qu'on a vu la première, on est sûr que les trois qui sont suivants, on les aura aussi. Pareil pour Ditto. Ouais, donc encore tout plein de doubles. Par contre, ils sont mal découpés, c'est vraiment dommage. Ce qui prouve bien que c'est des séries. Enfin, que c'est fait en série et que c'est pas fait au hasard dans les boosters. Alors là, nous avons le retour de Pidgeot. Donc, une holo en double encore. Nidorino. Canartisho. Et oui, Eevee. Donc ça va être qui ce Eevee cette fois-ci? Tiens, ça sera. D'ailleurs, c'était la dernière fois, c'était Anato. Là, ça sera Thiboudou. Voilà. Bisous à toi, Thibou. Ah, bon, on a quand même trois qu'on n'a pas vu encore. Donc là, nous avons Mystère de Spectrum et Ronflex. Et là, on a des cartes qu'on n'avait pas vu encore. Donc on a eu Florizarre, Persian et Noix de Coco. Donc ces trois cartes-là, on n'avait pas encore pioché. Donc c'est cool. Il nous reste deux boosters. Est-ce qu'on va réussir à avoir une petite gold encore? Je crois pas. Là, nous avons un Pikachu holographique. Pikachu qui est sur la casquette de Sacha. C'est kawaii, comme vous dites, vous les filles. Donc, un Nidoran femelle. Un Ramolos. Donc, tout ça, c'est de la double. Magikarp. Là, il nous manque des évolutions de Magikarp encore et tout. Donc, hop. Donc là, nous avons le Rondoudou, le Grotan Morve, la Monistar, Aréomite, Krabos et Dracolos. Et on est le dernier booster de cette ouverture. Et nous avons Ash. Sacha qui vient de capturer son Pokémon. Voilà, ben une holo qu'on n'avait pas eu encore, je crois. Donc c'est cool. Nidorina. Ah, je crois qu'on l'avait pas eu, Nidorina. Non, on n'avait pas eu Nidorina. On n'avait pas eu non plus le Flagados. Et le Léviator. Ah, coucou à toi, Sekton, si tu passes par là. Et après, je crois que c'est des doubles. Rondoudou. Enfin, gros doudou. Coquillasse, Kabuto. Machin, Bidule et Chouette. Bon, bah, petit récap. Donc, on a eu un Elector, c'était Prestige. Voilà. Et après, hop, je vais vous remontrer les holos de plus près. Donc, hop, on va refaire la petite macro propre. Donc, Sacha en holo. Encore Sacha avec Pikachu. Le Piafabec. Le Miaouss. Je la trouve vraiment belle, la Miaouss. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, vous. Mais moi, j'adore la Miaouss. C'est ma carte préférée, là, qu'on a pioché. Le Raichu. Le Team Rocket. Le retour du Piafabec. Sacha et Pikachu. Ondine. Et Smogo. Voilà. Ben du coup, j'espère que cette troisième partie de vidéo vous aura plu. Comme je vous dis dans la présente vidéo, mettez en commentaire si vous voulez la quatrième partie de cette vidéo. Et mettez plein de commentaires. Donc dites-moi ce que vous aimez. Si la vidéo, vous trouvez ça un peu nul ou pas. Dites-le moi, parce que moi, bon, ça me plaît de les ouvrir avec vous, mais il faut que ça vous plaise aussi de me regarder les ouvrir. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous dis à plus tard les amis pour le quatrième épisode, si ça vous plaît. A plus.